revanche de l'affrontement entre les Super Strikers et la Barca. Et les prodiges espagnols des passes magiques sont au meilleur de leur forme. J'allais le dire, Brenda. J'en ai même du mal à me souvenir à quand remonte la dernière possession de la balle des Strikers. Vous avez parlé un peu vite. Brillante récupération de Dancing Rasta. Et Rihanna n'hésite pas à prendre des risques. Il reste peu de temps à jouer, mais ce corner pourrait bien être la toute dernière chance pour les Strikers d'égaliser. Ok, les gars, je sais que ça aura été une partie éprouvante. Mais le Barca est vulnérable sur les balles hautes. C'est notre dernière chance, les mecs. Tu sais, tu as fait ce que t'as pu, Shakes. Mais même les Super Strikers ne peuvent rien faire contre nos techniques de super contrôle. La partie n'est pas encore terminée, Rihanna. Shakes se démarre. C'est porte ouverte chez le Barca. Oh non, il l'a manqué. Après une erreur aussi impardonnable, il voudra certainement aussi manquer les gros titres des journaux demain. Shakes, Shakes, par ici, vous avez un commentaire à propos de votre lamentable erreur. Tu sais ce qu'on dit, Shakes Nine? Il n'y a rien de mieux que de la mauvaise publicité. Shakes! Shakes, Ben Z de Football 360. Est-il vrai que ce sont des problèmes de santé qui vous empêchent de faire des... Quelles sont les chances pour les Super Strikers de l'emporter au match retour contre le Barca, si vous n'êtes même plus capable d'assurer les bases? Peut-être qu'il faudrait dire désormais, il n'y a rien de mieux que la mauvaise publicité, sauf si le ballon vous arrive en pleine tronche à la télévision. T'en fais pas, Shakes, man. Ouais, mon pote, les paparazzi ont la mémoire courte. Tu crois? Mais Claire, frangin, tu te rappelles comment l'afro s'est décoiffé à cette remise de prix? Non. Exactement. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Alors retire-moi ces stupides lunettes. T'as rien à cacher à personne. Bah, en fait... Le Barca nous a dominés et nous a battus sur notre terrain. Mais nous ne pouvons plus rien faire pour changer ça à présent. En revanche... on peut aller à Barcelone et gentiment leur rendre la politesse. Bien dit. La défense contre les balles hautes, c'est une de leurs faiblesses et nous devons absolument l'exploiter. Alors j'espère que vous êtes prêts pour une séance d'entraînement intensive de tête. Il faudra bien plus qu'un entraînement pour m'aider. C'est pour cette raison que je vais t'envoyer chez un de mes vieux amis. Un légendaire spécialiste des têtes, qui se nomme El Ariete. Le Perrier diabolique. Vous allez encore nous raconter la vieille histoire de Scotch qui fait des têtes d'enfer. Il vit dans une vieille citadelle pirate à Ibiza. Et il tire des boulets de canon sur tous les intrus. Boum. Tout ça n'est rien qu'un conte de grand-mère, n'est-ce pas, coach? Eh bien, à vrai dire, El Ariete enseigne des techniques un peu... inhabituelles. Coach, est-ce que Tiger a bien parlé de la capitale mondiale de la fête? Ce paradis tropical qu'est Ibiza? Je crois que j'aurais besoin d'un entraînement spécial, moi aussi, coach. Arrête, mon frère. Ta tête est si grosse qu'elle peut rater aucune balle. Ouais, allez. Pour tout dire, j'ai peut-être une mission à confier à El Matador. Mais c'est une chose pour laquelle tu es vraiment très doué. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est marquer des buts, danser. Oh, est-ce que j'oublie quelque chose? Accaparer les projecteurs. D'accord, c'est vrai. Je suis doué pour ça aussi. Ah, Ibiza. Cet endroit grouille littéralement de paparazzi. Oh, relax, Shakes. Personne ne saura jamais qu'on est ici. Quoi? Shakes, El Matador, revenez. Oh, quelle pagaille. Rien de tel qu'un bazar pour éviter la pagaille, hein, Shakes? Mais comment on va faire pour trouver cette citadelle pirate avec tout ce monde derrière nous? Toi, tu te concentres sur ton entraînement, et pour ce qui est des médias, laisse faire El Toro. Hey, qui veut faire une photo de moi, El Matador, et de mon coéquipier, Shakes? Ouh, j'aimerais vraiment être aussi cool que toi, El Matador. Shakes, par ici, Shakes. Une photo, Shakes. Phew. Et maintenant, la citadelle. Vous avez choisi l'endroit idéal. J'ai des t-shirts de la citadelle. J'ai des mugs avec la citadelle. Des répliques de sabres pirates. Des cahiers d'autocollants de la citadelle. Et ce que personnellement je préfère de très loin, la figurine du pirate de la citadelle. Ah, entrez mes amours, bienvenue dans la citadelle pirate. Non, en fait, je cherche la véritable citadelle pirate. Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Il vous faut mon guide touristique de la citadelle.
Oh, j'aurais dû prendre du spray anti-bestiole de la citadelle pirate. Oh. Rihanno, vous avez déjà battu les Super Strikers dans leur bastion. Gagner à domicile devrait être un jeu d'enfant. Avec notre condition physique, on peut battre n'importe qui, n'importe où. Shex et El Matador ont été aperçus en train de se la couler douce à Ibiza. Ça ne vous semble-t-il pas un peu suspect? Ibiza, vous dites? Excusez-moi, je vous prie. Il y a quelque chose que je dois aller vérifier. Oh. Wow. Tiger, ne plaisantez pas au sujet du canon, alors. Wow! Enfin, je t'attendais, Shakes. 998, 999... Et 1000. Comme tu dis, frère, on va aller toucher le ciel pour mettre le barca à terre. C'est bien d'y croire, les Strikers. Ouais, ben, on doit améliorer notre jeu puisque vous nous avez battus comme des bleus la dernière fois. J'étais venu voir comme se portait Shakes, en fait. Il avait besoin de faire une petite pause. Ah oui, des vacances à Ibiza. Et dans quelle partie de l'île exactement? La plage. Je vois. Alors, j'espère que Shex aura enfin retrouvé sa tête le jour du match. J'aimerais mettre la barre un peu plus haut la prochaine fois. Est-ce que vous pensez qu'il est au courant que Shex est parti s'entraîner ou pas? Ben, il doit sûrement se demander pourquoi Shex est à Ibiza avant un match aussi important. Et il doit déjà avoir entendu les histoires sur El Ariete. C'est pas difficile de savoir combien font deux et deux, les gars. Ça n'a aucune importance ce que Ragno peut savoir, les mecs. Du moment que l'entraînement d'El Ariete permet à Shex de retrouver sa réputation. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu viens pour m'espionner? Pour percer à jour le mystère de la citadelle pirate? Non. Arrête de fouiner. D'accord, bien reçu. Sinon... C'est quoi ça, ce bouquin? C'est la liste de mes disciples. Tous ces gens-là ont terminé votre entraînement? C'est que ça va être moins dur que ce que je pensais, alors. Si tu le dis, petit fité, on verra ça. Sans vouloir vous offenser, vous n'êtes pas un peu petit pour apprendre à faire des têtes? Ha! La taille n'a rien à voir dans l'histoire. Si tu veux apprendre à faire des têtes, tu dois acquérir trois compétences essentielles. La première, la puissance. La puissance? Parfait. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ok, d'accord. On va peut-être commencer avec la moitié de ce que vous avez. Alors, Jake, comment penses-tu venir à bout du barca si tu n'es même pas capable d'affronter trois misérables canons? Alors, comptes-tu sortir et me faire face? Vais-je devoir faire exploser ce tronc? Mais c'est... Tout ça, c'est de la folie! C'est ça. Un entraînement à la maîtrise des têtes. Je n'avais jamais autant sauté de toute ma vie. M'en parle même pas, mon pote. Je suis si crevé que je ne sens même plus mes jambes. Et moi, j'y suis tellement fatigué que je ne sens même plus mes mains. Mais peut-être que je ne peux plus sentir mes jambes, moi non plus. Seulement, je ne peux pas vraiment les savoir puisque j'arrive pas à sentir mes jambes avec mes mains. Je sais que le coach nous fait travailler dur, les mecs. Mais je suis persuadé que cet entraînement sera payant. Vous verrez. Les gars, des soirées les plus chics aux événements les plus marquants, Shakes et El Matador ont été aperçus à peu près partout, à part sur un terrain pour s'entraîner. Les mecs, est-ce que c'est cet entraînement à la dure qui me fait halluciner? Ou est-ce que c'est un panneau en bois qui ressemble à Shakes? J'arrive vraiment pas à croire que les gens tombent dans le panneau, c'est dingue! Et moi, ce que j'arrive pas à croire, c'est qu'on sue sang et eau pendant qu'eux, ils s'éclatent là-bas! Quoi? Ils détournent l'attention de la presse, man! Espérons juste que Shakes remplisse sa part du contrat de son côté. Tu maîtrises à présent la technique pour faire des têtes puissantes. Ouais, pas encore heureux. Il est temps d'apprendre la précision. Wow!
qui sommes. Vous voulez que je fasse passer la balle au travers de ça? Non! Tu as des pouvoirs psychiques? Est-ce que tu es doté de pouvoirs magiques? Non. Alors comment crois-tu y arriver avec les yeux fermés? Alors, on recommence. Mais dis pas que tu te prends pour ce boxeur de cinéma. Tu veux peut-être aussi courir sur la plage au ralenti. En fait, j'ai déjà fait ça tout à l'heure. Tu n'as aucune raison de pavoiser. Ton entraînement est très loin d'être terminé. Il est temps pour toi de passer à la dernière étape. D'accord, je suis prêt. Non, non, attendez une seconde. Vous voulez que je saute? Coach, le Barca vous a déjà battu à domicile. Pensez-vous sincèrement que les Super Strikers peuvent emporter le match retour? Le Barca est en grande forme. Et nous travaillons dur pour nous hisser à leur niveau. Il ne reste que quelques heures avant le match. Pourtant, Shex et El Matador ne sont toujours pas là. Où sont vos deux vedettes? Alors ça, c'est une excellente question. Ah, j'y devrais détourner l'attention des médias plus souvent. Nous nous dirigeons à présent vers Ibiza, où des reporters ont découvert ces images particulièrement choquantes. Vous n'en rêvez pas, c'est bien El Matador essayant de noyer Shakes. Oh, oh, mais enfin, il prend des feux. Et sur celle-ci, cherchant à se débarrasser du corps. Quoi? J'aurais dû lui payer une place pour le taxi? C'est juste une saleté de panneau en carton. Hein? Bonjour, messieurs les agents. Pourriez-vous m'accorder une toute petite seconde? J'espère que tu as terminé ton entraînement, Shakes, parce que le temps presse, là! Je peux pas. Jamais j'arriverai à faire ça. Ce qui veut dire que tu ne termineras pas ton programme. Mais enfin, je maîtrise la puissance et la précision. Qu'est-ce que sauter d'une falaise est censé m'apprendre? La vaillance. La vaillance? Le sang-froid, l'audace, la volonté, la bravoure, le courage. Shakes? Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les têtes? Ça a tout à voir, Shakes. N'as-tu jamais eu à plonger la tête première dans une ligne de défense? Ou à te cogner la tête contre la cage des buts? Pas aussi souvent que vous, ah, faut croire. Ah, monsieur se met à faire des blagues maintenant. On veut jouer les comiques? Quel dommage que tes blagues soient presque aussi mauvaises que tes têtes. Vous allez me dire que tous ceux qui sont en photo dans cet énorme livre ont sauté? Non, Shakes. Tu te méprends. Cet album recense tous ceux qui ne sont pas allés au bout de cet entraînement. Quoi? Wow. Ninja? Johan Hubert? Scara? Mais alors, dans ce cas, qui a terminé ce programme? Personne. Il n'y a pas d'album des diplômés, Shakes. D'accord. Si plonger de cette falaise est aussi important pour ce programme, pourquoi vous le faites pas, vous? Non! Attendez! Enfin, je l'ai pas... Hein? Ah! C'est carrément l'ouf-dingue! Ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza, compris? Match retour, Barca contre Super Striker en direct du faux camp. Et cette revanche s'annonce visiblement encore plus tendue pour les hommes en rouge. Vous me l'ôtez de la bouche, Brenda. Avec la mort de Shakes et El Matador derrière le barreau, les Super Strikers doivent faire sans leurs principaux atouts. Pardon? Je ne fais que répéter ce que disent les gros titres, Brenda. Oh, incroyable, il y a une promo sur le Hagi. Décidément, plus ça va, plus les choses empirent, on dirait. On n'a toujours aucune nouvelle de Shakes et El Matador. Les mecs, je préfère avoir un striker nul pour les têtes que ne pas avoir de striker du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, man. Ah, enfin, les amis, vous devriez pas croire les âneries qu'on lit dans les journaux. Regardez ce que le taureau nous ramène. Shakes, te voilà. Comment s'est passé cet entraînement, Shakes? Comme ça. Bon boulot, mon frère. 1, 2, 3. Super Striker. Ah, salut, Shakes. Ravi de voir que l'annonce de ta mort était largement prématurée. Eh ouais, tu connais les médias, c'était que des rumeurs.
Figure-toi que j'ai vendu une autre rumeur concernant un vieux coach un peu bizarre qui habitait à Ibiza. Est-ce que par hasard ça te dirait quelque chose, Shakes? Possible que j'en ai entendu parler. J'ai aussi entendu dire que tous ceux qui terminent les programmes de ce coach étaient imbattables. Quand bien même j'ai pas sauté de cette falaise, je sais faire des têtes. Quand ces superstars, un bout d'elles-mêmes, vont-elles comprendre? Sans l'audace, jamais ils ne maîtriseront l'art des têtes. Bonjour, je suis Ben Z, de Football 360. Je me suis laissé dire que Shakes était venu ici suivre un programme d'entraînement. Une petite seconde, j'arrive tout de suite. Quoi? Shakes va-t-il réussir à exploiter le manque d'aptitude des Barca à gérer les balles aériennes? Mais Shakes, c'est l'élément des Super Strikers qui ne maîtrisent pas les balles aériennes. Je peux le faire. La puissance. Ah! J'avais manifestement tort. Shakes nous offre une véritable résurrection au sens propre et vont sortir aux journaux. Pah! Tout maîtrise la puissance. Ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas d'accord? Barca abuse de cette technique de passe qui leur est propre. Magnifique! Voici un match qui devient intéressant, Brenda. Quel but sublime de Riano! Les Super Strikers ont peut-être marqué le premier but, mais les Barca viennent de nous faire comprendre pourquoi ils sont largement favoris. Nous en sommes presque au terme de cette première mi-temps et les Super Strikers bénéficient d'un corner. Waouh! Le Barca a complètement encerclé Shakes, mais il parvient à s'extraire. La précision! Le type s'appelle El Ariete, si tu veux savoir. Et t'avais raison. Ses disciples sont vraiment imbattables. Les gars, la prochaine fois que Shakes veut faire une tête, je veux que tout le monde soit sur lui. C'est compris? Oui. Nous sommes de retour pour la seconde mi-temps. Qui a besoin d'audace quand on en arrive au troisième but? Et Shakes manque une fois de plus une occasion en or. Mais pourquoi ne s'est-il pas servi de sa tête? Le Barca ne le lâche plus d'une semelle et il semblerait qu'il ait perdu toute confiance. Le Barca est sur une autoroute. Et c'est un but spécialité Regalo qui offre l'égalisation. Mais qu'arrive-t-il à Shakes? Pas d'audace, pas de victoire. Il ne reste que 10 minutes et c'est à présent au Super Striker de tenter de remporter ce match. Shakesman, tu peux y arriver. Il te suffit d'être audacieux. C'est là tout le problème. L'audace est la troisième phase du programme de l'Ariété. Et j'ai échoué. Foncer tête baissée à l'aveuglette, ça fait toujours peur. Mais tu peux y arriver si tu as suffisamment foi en toi. C'est l'ultime opportunité de ce match. En place, les gars. J'arrive. Oh, c'était un cheveu! Il reste encore une chance à la faveur de ce rebond! Mais peut-on parler de chance? Il y a une marée de joueurs du Barca entre les buts et le ballon! Utilise ta tête! Ta tête! Audace! Retournez contre les murs. Ouais, c'est cool. Respect, man. Shakes. Dis grand art, Shakes. Je pense que l'Ariete a vraiment de quoi être fier. Ouais, j'en suis pas vraiment aussi sûr que toi. J'ai un peu zappé la fin de son programme. Shakes, Riano, je pourrais faire une photo de vous deux? Il voulait me faire sauter d'une falaise. Mais j'ai pas eu le cran pour ça. Après avoir fait une tête en plongeon comme tu l'as fait aujourd'hui, personne ne peut venir te dire que tu manques de cran. Je crois bien que t'as raison. Faites vos prières, bande d'intrus. Non, attendez, tirez pas, c'est Shakes. Le petit voûté? Je tenais simplement à passer vous remercier pour tout avant de partir. Tu as fait preuve d'audace, gamin. Mais
Ne me dis pas que tu as fait tout le chemin jusqu'ici uniquement pour me remercier. Eh bien, à vrai dire, il y a aussi autre chose. Ah, c'est pour l'album des lauréats. Malheureusement, tu n'as pas terminé le programme, Shakes. Hein? Shakes? En avant! Affiche-moi la commande des entraînements de Technicali. Bien, messieurs, voyons un peu ce que vous valez. Laisse-leur une chance, Tony. C'est pas possible! Comment puis-je avoir la moindre chance contre les Super Strikers avec des incapables de votre genre? Mouffy, notre mascotte ferait un bien meilleur joueur de football que vous tous réunis. Affiche-moi. Prime Time Télévision. Il est à ce jour le meilleur buteur de la saison et il compte bien améliorer son palmarès lors du match contre les Technicali à Los Angeles. Shakes, comment faites-vous semaine après semaine? Affiche-moi. J'appelle ça la zone. Hein? La zone. Pourriez-vous nous expliquer de manière plus précise? C'est ce moment où d'un coup les pièces du puzzle s'assemblent. Les compétences, l'entraînement, la discipline, le travail d'équipe, voilà ce que j'appelle la zone. Ok. Mais expliquez-nous comment on entre dans la zone. Ah, j'en ai aucune idée. Je laisse les choses venir jusqu'au moment où je me sens invincible. Eh bien, je gage que pas mal de monde serait curieux d'aller faire un tour dans votre tête pour découvrir eux-mêmes cette fameuse zone. Oui. Entrez dans cette tête et voler cette zone pour mon équipe. Monsieur Shakes, permettez-moi de vous dire l'immense honneur que c'est pour nous de vous accueillir ici à Château-Marchand. Merci, mec. Votre clé. Pardon, mais je crois que ce n'est pas la bonne chambre. On nous réserve toujours la chambre qui correspond à notre maillot. Non, hein? C'est bel et bien votre numéro de chambre. Non, ce numéro n'existe même pas dans notre équipe. Non. Shakes, t'es encore en train de faire des histoires, c'est ça? Toutes nos excuses, monsieur le concierge, mais notre ami est en plein jet lag, on dirait. Bienvenue à Los Angeles et je vous souhaite bonne chance contre les Technicali et blablabla. C'est une erreur de rien du tout, Shakes, mon pote. Peut-être que quelqu'un d'important est déjà dans la chambre 10. Non, moi je suis dans la chambre 12. Tu es superstitieux ou super striker, Shakes? Wow, Melee, comme toutes les autres chambres. Tu es dans la zone, Shakes. Celle de l'arrogance et des superstars qui se la pètent. Ignore-les, Shakesman. Ils savent que la zone existe. Tous les grands sportifs se retrouvent dans la zone à un moment donné. Dors bien. Et n'oublie pas l'entraînement spécial de coach demain, surtout. Même si on sait ce qui nous attend. Il est hors de question que Tony Vern et ses encapuchonnés nous prennent nos 3 points au classement de la Super League. La suite Ron Nevitt? C'est une rockstar? Une star de cinéma? Enfin, qui que puisse être Ron Nevitt? Sa suite est celle... d'une star du foot à présent. Waouh, c'est chelou. C'est ce qu'on appelle un rêve américain. Ce n'est pas un rêve, Shakes. Oui. Coach? C'est moi. Shakes, oui. Où sommes-nous? Et c'est quoi tout ça? Tu te trouves dans une CRVMT. Une chambre de réalité virtuelle, machin, truc. Waouh, d'accord, ça déchire. Et comment ça fonctionne? Tu es en suspension dans une sorte de bulle dans notre centre d'entraînement local. Ah. Et nous allons créer une simulation d'un match parfaitement réel que tu pourras jouer. Ok. Pourquoi? Parce que mes joueurs, enfin tes coéquipiers, pourraient ainsi partager ta zone par induction neurocérébrale. Réfléchis un peu. On identifie la partie de ton cerveau qui contrôle la zone, puis on procède à une implantation de la zone sur les autres Super Strikers pendant le match. Mais les autres n'ont pas besoin de mon aide. Ils déchirent grave. C'est ça qui fait qu'on est cool. Ça suffit. Comme Voltron. Enfin, tu as raison, Shakes. Mais imagine un peu si on pouvait tous partager nos spécificités. De quoi as-tu besoin pour recréer la zone? Un ballon. Activation ballon. Ah, waouh, un ballon. 804? Attendez, c'était pas 904? Je vois pas ce qu'il a de spécial, cet entraînement. Coach, pourquoi on doit le faire aussi? Tout le monde ne parle plus que de la zone. Les bandeaux d'infos à la télé.
les unes des magazines. On voit la tête de Shakes partout. Je comptais sur vous, messieurs, pour l'aider à rester concentré. Mais on l'a fait, coach. On l'a vu entrer dans sa chambre la nuit dernière. Ouais, et même qu'il nous a fait tout un cinéma parce qu'il avait pas la bonne chambre. Qu'est-ce que tu dis? Arrêtez. Enfin, merci. Même si je sais pas ce que tu as fait. La chambre réservée pour Shakes était la 10, comme son maillot. Non, non, coach. Il se trouve que quelqu'un d'important, encore plus que moi, est déjà dans la 10. Vraiment? Personne ne m'en a informé, pourtant. Château Marchand. C'est le coach des Super Strikers à l'appareil. Oh, bonjour, coach. Comment se passe votre entraînement ce matin? Pourrais-je parler au réceptionniste qui a attribué leur chambre à mes joueurs hier soir? Oh, bien entendu, coach. Passez-moi le registre, espèce de boulet. J'ai pas dit, passez-moi un poulet. J'ai dit le registre, espèce de boulet. Une petite minute, coach. Pourquoi il n'y a pas de nom dedans? Je regrette... J'ignore qui était de service hier soir. C'est une chose qui est absolument exceptionnelle, croyez-le bien. Comme moi, je suis moi-même assez exceptionnel. Où peux-tu être, Shakes? J'aurais besoin d'adversaires. Activation Scara. Hein? Salut, Shakes. Hein? Oh, c'est cool de te voir. Je voulais que tu saches l'immense respect que j'ai pour le joueur que tu es, mec. Pourquoi Scara est aussi space? Tu trouves? Carrément, ouais, il est beaucoup trop gentil avec moi. Gros kiff, mon frère. Et... Oh, bien sûr, toi et Scara, vous êtes rivaux, c'est vrai. On va arranger ça tout de suite. C'est quoi que tu regardes, là, blaireau? Là, c'est bien Scara. C'est pas du foot, ça, coach. C'est juste bidon. La zone, ça marche quand on est au bon endroit et au bon moment. Dis-moi de quoi tu as besoin, Shakes. Faisons en sorte que l'environnement soit exactement tel que tu en as besoin pour pouvoir recréer la zone. Ok. Il faut des lignes. D'accord. Et puis des buts. Et puis? Un stade. Ensuite? L'équipe complète des Invincible United. La victoire est à portée de mes mains. Hein? Des nôtres. Continue. Je vais aller observer de l'extérieur. Quand les Super Strikers seront face à nous, ils devront affronter 11 joueurs. 11 redoutables joueurs qui seront dans la zone. Ça fait 24 heures. C'est largement suffisant pour déclarer Shakes comme officiellement porté disparu. Et moi donc, je me sens super mal d'avoir été si naze avec ce gamin. Shakes est capable d'encaisser ça. Il peut aussi gérer la célébrité. Il lui est arrivé quelque chose, c'est certain. Quoi? Ce petit, c'est comme mon fils spirituel, alors je le connais bien. Alors que fait-on? On va aller au dernier endroit où il a été vu. Ne fais pas de bile, Shakes. Ma mission, c'est de te retrouver. Rien ne pourra m'en détourner. Hey, mais cette suite est bien plus cool que ma chambre. Prestation grand luxe. Oh, gadget high-tech 100% automatisé. Une vue imprenable sur l'extérieur comme sur l'intérieur. Mais ce qui dépasse tout le reste, c'est le lit super king size. Sur mesure pour un roi du football. Ha 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 ha. Désolé, Shakes, je te retrouverai. Mais avant ça, je crois que je vais m'offrir une petite... Moufi, l'ours joyeux, aux griffes pointues, aux cheveux bleus. Oh, oh. C'est ça, Shakes? Oui, oui! Oh, non. Ah! Allez, vas-y! Très franchement, coach, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas du tout comme ça que je devrais me préparer à affronter les Technicali. Mais je t'ai donné tout ce que tu m'avais demandé. Ouais, mais rien de tout ça ne fait authentique. J'ai besoin de me nourrir de l'énergie du match. Il me faut l'ambiance, le bruit, l'anarchie. J'ai besoin des fans. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Voilà! Maintenant, ça semble réel. Tout ne dépend plus que de toi, Shakes. Trouve la zone et mon triomphe marquera la Super League pour l'éternité. Mais dépêche-toi, parce que le match va commencer. Ah, j'adore la suite, Ron Nevitt.
Il y a une trappe dérobée dans la suite. Ce type se prend pour le roi de la ville ou quoi? Il a une suite ici et il faut encore qu'il me refourte tout son linstall à moi. Hé, moi je peux faire jusqu'à 3 ou 4 lessives par jour, je vous signale. Là, je parle pas de vous, mon petit bonhomme. C'est Ron Levitt. C'est rien qu'une mascotte en plus, Einstein. C'est la suite de Tony Verne. Le Tony Verne? Et il faut que j'apporte tout son linge repassé au hub avant le début du match. Alors je peux pas passer la journée à bavasser. Vous venez ou quoi? Tiens bon, Chase. Je vais venir te chercher. Et alors qu'il ne reste que quelques minutes avant un match clé dans leur parcours en Super League, les chances de retrouver Shakes, l'incomparable buteur star des Super Strikers, ne cessent de se réduire. Shakes se trouve quelque part ici, au hub. Klaus Lanke, vous commencez. Et Shakes et El Matador reviendront sur le terrain avant que vous ayez pu dire... le match est fini. Claire, mais t'as surtout intérêt à être revenu avant que le match commence, mon pote. Écoute, El Matador, si tu connais réellement mener une enquête en territoire ennemi, tu devrais porter une tenue plus discrète, man. Jamais je n'aurais pensé que je t'encouragerais un jour, Shakes. Mais vas-y, vas-y, allez. Celui-là, c'est pour les fans. Ça y est, j'ai localisé la zone dans les méandres de son circuit neuronal. Allô? Mais ce n'est pas le moment de célébrer une nouvelle fois mon génie. Coach? Transférons les données. Vous savez ce que vous vouliez? Il est temps d'équiper mon équipe de ses capuches. Je peux sortir, ça y est. Coach? Désormais, même le plus tocard des technicali sera en mesure d'accéder à la zone d'une simple pression de ce bouton. C'est l'heure du match, Mouffy. Il est temps d'aller sur le terrain. Ouais, c'est ça, cause toujours. Espèce de vieux cinglé. Wow! Et voilà! Que le spectacle commence! Me voilà! Et ce, en dépit des circonstances tragiques. Enfilez ça! Dou bam, dou bam, 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 dou bam. Coach! Oh! J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Ne t'en fais pas, Shakes! Je vais trouver un moyen de te sortir de là! Ah, ok! Ok. Bon. Tu le prends comme ça! Le coup d'envoi vient d'être sifflé et déjà les Super Strikers prennent les choses en main! Une fois de plus, les Strikers semblent jouer tout seuls face à des technicalis qui, malgré leurs efforts, ne font que de la figuration. Les Strikers ont amené le ballon en position stratégique. Mais malgré tout, les attaquants remplaçants ont encore l'essentiel du travail est terminé. Et ils s'en sortent avec panache. Lanke a une autoroute devant lui. Mais quelqu'un vient de jaillir de nulle part. Et il s'agit de Chuck Dick Chipperson. Mais que se passe-t-il, Mac? Je comprends pourquoi Tony était à ce point omnibulé par cette zone. C'est... simplement... phénoménal. Et voilà qui fait 1-0 pour les Technicali. Les hommes de Tony Verne semblent être portés par une énergie magique d'un seul coup. Est-ce que ce sont bien les Technicali qu'on connaît? Oui. Hein? Je suis complètement dingue de ces vieux jeux vidéo. Bip, blou, blou, ping, ping. Oups, j'ai perdu. Eh oui, je sais, c'est dommage. Tant pis, revenons au match. Allons, El Matador. Mais enfin, où peux-tu être? Espèce de bulle à la noix. Tu peux déjà te préparer à connaître une fin tragique. Parce que je vais t'a... Je sais pas encore comment, mais... Oh, mon fils, tu sais que je t'aime bien, toi. Accroche-toi, ça va secouer, Shakes. Les
Les Super Strikers sont bien à la peine sans leurs deux attaquants vedettes. Et les Technique Alliés ont enfin réussi à trouver leur meilleur jeu. Les choses se présentent vraiment très mal pour les hommes du coach. Vous avez raison, Mac. Je n'avais jamais vu les Technique Alliés jouer aussi bien. Quoi que puisse être la zone, je suis à peu près sûr que John T. Johnson Jr. y a validé son ticket d'entrée. Pete ! Hein ? Mais nous sommes dans la quatrième dimension, Brenda. Tout d'abord, les Super Strikers sont complètement débordés par les Technique Alliés. Et maintenant, leurs fans acclament le but de John G. Johnson Jr. Ce n'est pas le but qu'ils acclament, Mac. C'est le retour d'El Matador. Accompagné de la mascotte des Technique Alliés. El Matador. Juste à temps. Qui est-ce qui est là-dedans? C'est moi, coach. Non, Shakes. Mais enfin, que diable fais-tu dans ce costume? C'est une longue, très longue histoire. Mais je crois savoir ce que Tony Mangans. Il semblerait que la mascotte des Technique Alliés ait changé de camp. Quoi? Très bien, Goofy. Alors, va-t'en. Adieu et à jamais, vil félon. Et à peine de retour, olé, El Matador parvient déjà à faire toute la différence. Wow! Mais qu'est-ce que c'était que ça, Brenda? On dirait qu'il s'agit du gardien des Technique Alliés. Wow, quel beau boulot de la part du gardien! Lequel, Brenda? Mon goal à présent. Là, je n'ai plus qu'à aller me pendre. Coach, ce n'est pas le goal. C'est leur capuche. Si ce que tu dis est vrai, si c'est simplement possible, Tony Verne peut activer ton niveau de jeu chez chacun de ses joueurs quand il le souhaite. Ouais. Je dois simplement trouver un moyen de battre les Technique Alliés à mon propre jeu. Serait-ce enfin l'occasion pour les Technique Alliés d'imposer leur domination? Certainement pas de cette façon, Brenda! Je ne comprends pas. John G. Johnson était très clairement entré dans la zone tout à l'heure. Alors pourquoi n'est-ce plus le cas? Et pourquoi Tony joue-t-il à des jeux vidéo dans un moment comme celui-là? Coach? Je t'en prie, Shakes. Tony ne peut utiliser son inducteur de zone qu'une seule fois par joueur. La puissance nécessaire pour activer la zone du cerveau qui est concernée épuise toute l'énergie de la capuche. Donc c'est en jouant sur ça qu'on pourrait faire dégringoler les performances des Technique Alliés. Exactement. Nous allons tout bonnement court-circuiter le plan de Tony, joueur après joueur. Il ne m'en reste plus que trois. C'est plus qu'il ne m'en faut pour donner une leçon à ce sale traître de Mufi, tu parles. Et battre les Super Strikers, non? Oui, oui, par la même occasion. Il faut que ça marche. Étrange tactique de la part des Super Strikers. C'est comme s'ils voulaient pousser les Technique Alliés à passer à l'offensive. Oui, voilà notre occasion. À croire que Eagle Eye sait lire dans l'esprit de ses adversaires. Il les contourne comme dans une course de slalom. Mais malheureusement, il n'aura pas réussi à éviter la balustrade en bout de course. Génial, ça fonctionne. Oui, mais Tony a encore une induction de zone en réserve. Et le temps joue contre nous. Je crois savoir comment forcer Tony à gaspiller sa dernière cartouche. Abruti de Mufi, j'étais toujours détesté de toute façon. Allez, tu vas voir un peu. Oh, Mufi, je savais que tu finirais par revenir vers moi. Super! Strikers! Super! Strikers! La mascotte des Technique Alliés appelle les supporters des Strikers à se mobiliser pour leur équipe. Ah, on dirait bien que Thaddeus Tarrington, troisième du nom, a des gros problèmes avec ses lacets. Mufi! Ok, les gars. Les Technique Alliés sont maintenant définitivement en zone de non-retour. Montrons-leur maintenant à quoi ressemble vraiment la zone. Troisième. Quoi?
je n'ai pas du tout envie de voir ça, Brenda. Il semblerait que le Super Striker s'apprête à lyncher la mascotte Technicali. Ils n'ont pas l'air de le lyncher, Max. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de Goofy, c'est Shakes. Il va donc très bien, alors. Vous avez réussi, les gars. Mais là, faut vraiment que je sorte de ce costume, il y a urgence. Joli travail, mon ami. Très beau travail, mon pote. Du coup, j'imagine que la zone va rester un secret, hein, Shakes? Évidemment. Tony a prouvé qu'on ne pouvait pas contrôler la zone parce que la zone ne se trouve pas là. Elle est là. Bien, finalement, tu as le droit de faire un petit somme dans la chambre 10, Shakes. Cool. Je crois que j'ai mérité une longue... Donne-moi ça. Mais c'est... La suite de Tony Verne, oui, je sais. Allez, donne-moi ton costume de Moufi et toutes tes vieilles fringues puantes. Je vais dormir ici et m'assurer que la blanchisserie soit faite. Hein? Vraiment cool d'avoir choisi le programme audio d'entraînement de Brock Rockenauer. Troisième jour, et t'en as déjà bien bavé, pas vrai? Alors j'espère que t'as de la réserve, parce qu'aujourd'hui, tu vas en baver deux fois plus. 15 km de course, deux à la nage, vélo, abdo, traction, jonglage. Rien ne doit pouvoir t'empêcher d'accéder au plus gros événement du sport que tu as choisi. Championnat de la Super League, nous voilà. Hein? J'en reviens pas. T'es fou! Du glamour, des légendes, ces délicieux petits chocolats sur votre oreiller. Voici Skyball, le tournoi de football le plus haut du monde. Oh, Skyball Ultimate Fight est un tournoi unique au monde se déroulant sur le toit de mon nouvel hôtel, la Mirage, à Dubaï. Pour la première fois dans l'histoire du football, le vainqueur sera désigné par le vote du public. Rangé dans les cartons de la Super League, ici le football atteindra son plus haut sommet. Les sultans peuvent bien avoir leurs gadgets. Moi, je vais m'en tenir au vrai football. Et l'équipe qui affrontera les sultans pour le premier match du Skyball Ultimate 5 sera... les Super Strikers! Vous êtes peut-être des champions, les Super Strikers, mais au Skyball Ultimate 5, c'est moi qui définis toutes les règles. La Super League, c'est la seule chose qui compte. Skyball, ça semble cool, c'est vrai, mais c'est jamais rien d'autre qu'une nouvelle lubie de chèque. Négatif, mon pote. Le grand gourou lui-même a exigé qu'on envoie une équipe d'attaquants de haute volée. Imagine un peu. On va séjourner dans l'hôtel le plus luxueux et le plus cher du monde. On va jouer au football sur le toit du gratte-ciel le plus haut qui existe au monde. Avoir une vue absolument unique sur le désert à travers quatre murs de verre. Et ce que moi je préfère, voir le vainqueur désigné par le vote du public. C'est du foot, les mecs. Mais sous une forme qu'on connaît pas. Pour moi, c'est de la télé-réalité sans aucun intérêt. T'as terminé le troisième jour, pas vrai? Évidemment que tu l'as fait. Tu laisserais pas tomber ce bon vieux Brock, hein, mon vieux? Jour 4, ça va être rock'n'roll, va falloir assurer. Ah! Alors ça y est, tu as enfin décroché de ta fichue cassette de développement personnel! Brock est réputé pour être le plus grand coach dans ce domaine, je te signale. Ah. On peut dire que ça en jette. C'est de la balle, man! J'ai le vertige et rien qu'à regarder en l'air, ya! Il n'y aura qu'une poignée de privilégiés qui assistera à ce match. Mais ils s'attendent à une audience télévisée au moins égale à celle de la finale de la Super League. Et si on montait? J'ai envie de voir dans quoi on s'embarque. Mes très chers Super Strikers, êtes-vous prêts à vivre comme jamais vous n'avez vécu auparavant? Êtes-vous prêts à jouer comme vous n'avez encore jamais joué jusque-là? Mettons-nous à l'abri de cette tempête de sable. Oh, magnifique! Wow! La Mirage, en français, parce que ça fait classe. La déco est faite à partir de ce que le monde compte de plus cher. Des vases Ming authentiques qui viennent de Chine, des œufs de Fabergé venant tout droit de Russie, des poneys Shetland qui viennent de... du Shetland, j'imagine. Nous n'avons pas regardé à la dépense. Ouais, visiblement, faut pas regarder à la dépense non plus si on veut s'acheter des souvenirs. Et pour rester dans l'esprit de la Mirage, chaque participant repartira avec cette petite bricole. C'est pas vrai! Ils sont vraiment en or, ces ballons de foot? Servez-vous, ils sont à vous. Cool. Les deux équipes séjourneront à la Mirage durant les 48 prochaines heures jusqu'à ce que le tournoi soit terminé. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est de la télé-réalité.
J'ai un emploi du temps bien chargé pour vous, mais pour commencer, je vous laisse vous installer. Je suis bien curieux de savoir à quel étage on va être. La vue doit être vraiment époustouflante. Dans un immeuble aussi impressionnant, on doit pouvoir toucher les étoiles. Tout le monde est prêt à suivre le planning? Tout est parfaitement sous contrôle, Jake. Côté marketing? Le tout nouveau spot de pub pour la télé est paré pour diffusion, Jake. Météo. Nos satellites nous disent que les conditions pour le match sont optimales, Jake. Le discours d'ouverture. Le texte du discours sera terminé en temps et en heure, Jake. Ah, en fait, je vous kiffe! Sécurité? Personne ne pourra aller nulle part sans qu'on soit au courant, Jake. Parfait. La scène est prête pour offrir un événement exceptionnel dans lequel les sultans gagnent. La présentation est magnifique. Oh, c'est impressionnant. Wow, ça déborde de partout. Est-ce que vous appréciez votre repas, Shakes? Tous ces produits proviennent des quatre coins. Mais j'ai l'impression que les sultans, eux, mangent plus léger. Beaucoup plus léger. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien cacher, tout ça? On ne s'est même pas encore entraîné une seule fois sur le terrain. Et là, ils nous gavent comme des oies avant Noël. Et le vainqueur travaille pour David Hasselkugloff. Shakes? Oui, Shay? À quelle heure on pourra accéder aux toits et aux équipements demain matin? Ça, il faut le demander au propriétaire de l'hôtel. Et c'est vous le propriétaire, non? Yes. Mais ce ne serait pas équitable pour les sultans, alors vous devriez demander à leur coach. Mais vous êtes aussi leur coach? Bien sûr, évidemment. Mais le cheikh n'autoriserait jamais ça. C'est vous le cheikh? Il y a tellement de choses extraordinaires dans cet hôtel. Un spa avec soin aux pierres chaudes au 8e étage, du shopping dans la galerie marchande du loto au 5e étage. Non? Vous n'aimez pas le loto? Des chicken wings? Oh, j'ai trop abusé les chicken wings. Jour 4, ça va être rock'n'roll, va falloir assurer. Tu te souviens de la devise du premier jour? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce que tu roules, mec? Ou est-ce que tu t'encroutes avec une tasse de thé dans une main et un biscuit déjà à moitié grignoté dans l'autre? Va falloir te remuer un peu, mec. Ouais. Si le chèque ne veut pas nous fournir ce dont on a besoin, je vais me fabriquer mon propre espace d'entraînement. Les gens cherchent à te tirer vers le bas. Ils te disent comment tu dois vivre, te disent où tu dois aller, où tu ne peux pas aller. Ils te disent que tu as le droit de dire ce que tu n'as pas le droit de dire. Alors écoute mon conseil. On peut avoir un peu de calme par là? C'est pas que j'ai besoin de dormir pour pas avoir les traits tirés. Je dis juste ça comme ça. Wow. T'es sans pitié pour les Ming? J'essayais simplement de m'entraîner, c'est tout. Tous devant vos écrans pour assister à la consécration de Sultan quand ils battront les Super Strikers, les vainqueurs de la Super League lors de la Skyball Ultimate 5. Ah, tu crois qu'ils ont oublié qu'on les a écrasés avec un 4-1 cette Peut-être. Saison? Peut-être, mais avec l'histoire du vote du public, les règles du jeu sont plus du tout les mêmes. Shakesman, un hôtel de luxe n'est pas franchement un endroit pour s'entraîner. C'est vrai, Captain. Salut les gars. Est-ce que par hasard vous monteriez sur le toit pour vous entraîner? Non! Personne n'a le droit de monter sur le toit. Alors, où vous allez comme ça? En bas. On dirait bien qu'il n'y a pas que leur football qu'ils ont bien préparé. C'est bien toi. Je n'arrive pas à croire que tu refuses de demander à quelqu'un, Hubert. On n'a pas besoin d'aide. Je vais nous sortir de là où je suis là. C'est déjà ce que tu avais dit il y a 10 minutes de ça. Carnet de bord du capitaine. Date stellaire 2132.5. J'ai remarqué... Jay, vous devriez voir ça. Il se dirige vers le toit, comme vous l'aviez dit. Il est obstiné, c'est une certitude. Mais pas d'inquiétude. Des mesures ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Bingo! Est-ce que le bingo se trouve sur l'héliport? C'est au 5e. Je crois que c'est vraiment un endroit exceptionnel pour jouer au foot. Ah, personne n'a dit que je ne pouvais pas m'entraîner ici. Ok, les conditions sont vraiment incroyables. Quand je vais raconter ça au coach... Ah!
Qu'est-ce que tu fabriques? Couche. Le vent. En fait, j'essaye simplement. Le chèque est dans un état de fureur absolue. Les invités VIP ne peuvent pas s'opposer parce que tu occupes l'héliport. Et en prime, tu viens de balancer son cadeau hors de prix par-dessus la balustrade. Attendez, enfin, comment sait-il que... Tu ne voulais pas participer à cette stupidité de tournoi Skyball. Parfait. Ton vœu est exaucé. Tu es sur la touche. Sur la touche, le coach des Super Strikers a décrit son joueur vedette comme trop indiscipliné pour cette rencontre amicale les opposant au sultan. Bah hey, c'est la vérité, non? Blablabla. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de lui pour ce match. Te bile pas! Le chèque n'a pas ce qu'il faut en réserve pour venir à bout de Rasta et Sega. Bienvenue pour ce tournoi exceptionnel que tout le monde attendait, sans même en avoir vraiment conscience. Aujourd'hui, les sultans emmènent le football à un niveau jamais atteint. 4 murs de verre au sommet de l'hôtel le plus haut du monde. La Mirage. Gardez vos yeux rivés sur l'écran et vos téléphones entre vos mains. En effet, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire, le vainqueur de ce match sera désigné par texto. Vous me piquez mon style, là! Il n'y a rien dans le règlement qui interdise de porter des lunettes. Oh, mais c'est vrai. Ça doit être parce qu'il n'y a aucune règle que les vôtres. Portant le maillot désormais démodé rouge et blanc, les vieilles gloires de la ringarde Super League, les Super Strikers, mais enfin, qui a écrit cette daube? Et étincelant dans un verre majestueux, les hôtes, les fiertés locales, les futurs méga... de la Super League, et vainqueur de la rencontre d'aujourd'hui, le Sultan FC! On a répété ça un bon millier de fois. On connaît tous le plan, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on le connaît. Maintenant, on va s'amuser. Et nous y sommes. Tout le monde ici est en ébullition du fait de cette nouvelle manière de jouer. Eh bien, pas tout le monde à vrai dire. Voyez-vous qui est sur le banc de touche? Peut-être pourra-t-il se montrer utile. C'est à voir. A-t-il obtenu des votes? Quoi? Pour tout vous dire, moi-même, je ne voterai pas pour les Super Strikers à l'heure qu'il est. Je suis pas habitué à devoir surveiller tout un mur, moi. Et moi, je suis pas habitué à me sentir aussi peu cool. Pourquoi les sultans sont-ils soudainement bien meilleurs que nous? Waouh, 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 waouh! Des chicken wings. Personne n'a le droit de vouloir toucher les étoiles. Tu es sur la touche. Mais oui, j'avais raison. Le chèque se joue de nous depuis le début. Je suis certain que les sultans séjournaient tout près du toit et qu'ils sont venus s'entraîner ici. Et le chèque s'est arrangé pour que je ne me fasse écarter pour que je ne joue pas. Je me demande quelle surprise il peut encore nous réserver. Rasta a prévu toutes les éventualités. L'altitude est un gros handicap pour nous. Nous devons utiliser les murs, nous aussi. C'est ça. Servez-vous des murs pour que ça devienne un enfer pour eux aussi. Ah, c'est vite faire comme dans un flipper géant, quoi. Et les résultats ne se font pas attendre. Prenez garde, les sultans. Allez, les gars. On peut y arriver. Ah, heureux que tu sois de la fête, Shakesman. H-1 minute. Bon travail. Que tout le monde se tienne prêt, s'il vous plaît. Passez en infrarouge. Regardez comment moi j'utilise les murs. Phénoménal. On comprend pourquoi ils ont remporté la Super League. Ils apprennent à vitesse grand V, Mac. Leurs adversaires ne peuvent plus freiner leur course. Ouais, les gars, continuez. Hein? Des vicieux. D'accord. En fait, c'était même pas pour copier mon style, alors.
L'échec s'est assez moqué de nous comme ça. Il est temps que tu ailles rejoindre ton équipe. Compris ? Chex ? Oui, égalité ! Un dernier petit tour ? Qu'est-ce que vous cherchez à présent ? On n'a jamais trouvé la salle de bingo ! Alors on a inventé notre propre jeu, le bingo des ascenseurs. Mais... on reste dans l'ascenseur toute la journée et on utilise le numéro des étages que choisissent les gens pour remplir nos grilles de bingo. Je vais prendre les escaliers. 78 zéro, 78 zéro, 78 zéro. Hey, mais où sont passés les rouges? Et El Matador, une seule contre les éléments sur ce terrain. Tout cela ne me semble pas très juste, vous ne trouvez pas, Mac? Ah, Brenda, nous n'avons pas le droit de critiquer les sultans, ni le Sheik, ni le Mirage. C'est fou comme la Super League me manque. Hey, aucun respect. C'est du football, pas du cirque. Jetons un œil sur les votes, Mac. C'est la mi-temps. Que vont bien pouvoir faire les Super Strikers pendant la pause à part se débarrasser du sable qu'ils ont dans les yeux? Mettez ça sur ma note, vous voulez bien? Dépêche, dépêche. Oui, c'est toi qui paye pour les vacances. Shakes? Le joueur de Super Striker? Ouais. Je suis un méga fan, Shakes. Je te jure. C'est vrai, j'ai la collection complète de DVD de tous les matchs des Super Strikers. C'est cool. T'as peut-être entendu parler de moi? Sûrement. Brock Rockenauer? Pardon? Brock Rockenauer, spécialiste en développement personnel / coach de vie. Mais je suis méga fan, moi aussi. C'est vrai? Mais vous n'auriez pas besoin d'un peu de Brock attitude, là-haut? Ouha! Un regard de psychopathe, la force du tigre! Non merci. Oh, il y a plus de poussière que sur ma collection de disques ici. Allons, mec. C'est pas si terrible non plus! Vous me remplacez! Vous me remplacez! Impossible! Notre seul remplaçant a disparu. On s'en sortait plutôt bien et on les aurait battus à ce nouveau style de football. Mais maintenant qu'on n'y voit rien. Shake a dit que le Sheik avait tout planifié pour nous faire perdre. J'aurais dû deviner qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça. Rien que quelques paires de lunettes ne puissent résoudre. Je suis content de te voir, Shakesman. Coach, je suis désolé, c'est vrai que j'en ai fait qu'à ma tête et... Garde-en une paire pour toi, tu vas jouer. Les votes se portent très massivement sur les sultans, et ce en raison de leur performance durant la tempête de sable. Mais voilà que soudain, les Super Strikers semblent prêts à affronter cet obstacle. Ah, mais sont-ils assez préparés pour ça? J'adore ton look, muchacho. Mais tâche de pas trop t'y habituer, ce serait de la contrefaçon. Les Super Strikers semblent avoir retrouvé leur jeu à présent. Mais il demeure encore un écart monumental. Pourront-ils mobiliser assez de votes pour inverser les tendances? À voter! Je crois qu'à présent, c'est entre les mains du reste du monde, les gars. Il semblerait que le destin soit définitivement scellé. Le match touche à sa fin et les votes ne cessent de baisser du côté des Super Strikers. Peuvent-ils encore faire quoi que ce soit pour renverser la vapeur? Si seulement j'avais eu un peu de temps pour m'entraîner sur ce terrain. Hey! Va falloir me faire confiance. Je crois que je peux faire quelque chose pour faire décoller nos votes. Quoi qu'il puisse faire à présent, Mac, les jeux sont malheureusement faits. Nous serons vite fixés, Brenda. Oh! Je ne pense pas que ce soit vraiment de nature à inciter les votes en faveur des Strikers. On peut le craindre, Mac. Mac? Mac? La balle revient! Tu crois pouvoir le faire, mec? Bien sûr que tu peux. Contre toute attente, Shakes a réussi son pari. Contre toute attente et contre la tempête, Mac,
Shex vient d'écrire à lui seul le manuel pour apprendre à jouer au football squash. Je crois bien que c'était la meilleure manœuvre que j'ai vue de ma vie. Enfin, si j'aimais à part les miennes, bien entendu. Combien de ballons t'as eu à balancer hors du toit pour peaufiner cette technique, Matt? Ben, à vrai dire, un seul en fait. Hein? Mais un qui valait vraiment très cher. C'est très impressionnant, les Super Strikers. Mais le match est terminé et les sultans vous ont écrasé si on en croit les votes. Le match est terminé, mais les votes pas encore. Mais... Et que dit le règlement à ce sujet? Oh, c'est vrai, il n'y a pas de règle. Eh oui, les Super Strikers passent largement devant les sultans pour ce match inaugural du Skyball Ultimate 5. La merde! C'était très amusant. C'est un jeu où tout est possible. On se refait la même chose l'année prochaine? Extraordinaire. Faut surtout pas chercher mes gars, compris? Parce qu'à coup sûr, vous perdrez. Très bien. Je crois que je vais devoir retourner à ma planche à dessin en or massif incrusté de diamants. Et je vais demander à ce qu'on me rajoute quelques diamants.